chérie. Dis-moi, tu m'as dit que tu as fait la Chine. Oui, mais j'ai fait la Chine, la Thaïlande, le Japon, le Bangladesh, le Singapour, et le Japon et puis même le Brésil. J'ai fait le Brésil. Donc tu as fait le Brésil aussi. Oui, j'ai fait le Brésil. Chine. Et le Brésil même, c'était le dernier pays que j'ai visité. Tu sais, quand, parce que bon, le Brésil, malgré que le Brésil fait frontière avec la Chine, j'étais obligé de sauter le Brésil pour aller jusqu'en Europe visiter le Japon. Tu vois? Oui. C'est-à-dire, quand j'étais dans l'avion, le Brésil était en bas de moi. J'ai dépassé la Chine et puis salué en Europe. Pourtant, je pouvais atterrir au Brésil d'abord avant de continuer. Mais je suis allé en Europe, visiter le Japon et puis je suis revenu en Chine. Non. Tu vois? Donc, tu as eu beaucoup de relations, hein? Oui, pas mal de relations, hein? Tu vois, quand je suis arrivé en Chine, et dans la capitale de la Chine, à Dubaï, la capitale de la Chine, je n'habitais pas loin de Vladimir Poutine. C'est qui ça? C'est le président de la Chine actuellement. Oui, mon hôtel était juste à côté de chez lui. Donc, on a déjeuné ensemble, on a mangé garba ensemble. Yeah, oui, il est gentil. Il est gentil. On a mangé babenda ensemble, tu vois. Sinon, les gens pensent qu'il est mauvais alors qu'il y a aussi un babenda. Il y a tout. Il y a tout là-bas. Ah. D'accord. Oh, mais je me l'ai à ta place. Non, t'inquiète. Toi-même, tu visiteras aussi d'autres pays comme ça. Ah oui. D'accord. Bébé, tu sais, bizarrement, ces deux jours-là, tu m'apprends beaucoup de choses. Ah, mais c'est rien, c'est rien. Voilà, tout de suite, tu viens de me dire que le président de la Chine s'appelle Vladimir Poutine. Oui. Sa capitale, c'est Dubaï. La capitale de la Chine. Je ne savais pas tout ça. Et puis, que le Japon se trouvait en Europe. Oui. Je ne savais pas tout ça. Ah, oui. Non, mais c'est rien, tu sais. Compte sur moi, tu apprendras encore beaucoup. Wow. Voilà. Non, oui, mais tu es un ange.